Advent Scouting est une entreprise active depuis plus de 20 ans à Sclessin dans la conception et la réalisation de revêtements par projection à froid, arc, plasma et supersonique de métaux, alliage, céramique et carbure sur pièces mécaniques. La société réalise également tous travaux de rectification plane, cylindrique et de superfinition. On ne produit rien ici en interne, donc on est totalement tributaire du client final. Donc on transforme les pièces, donc on enlève l'ancien revêtement pour remettre à nouveau, pour que la pièce puisse avoir une nouvelle vie dans la production dans laquelle elle travaille. L'expertise d'Advance Coating est la projection thermique, une technique particulière que la société de Sclessin maîtrise parfaitement. Il faut savoir qu'on a été les premiers à utiliser les procédés de projection thermique ici en Belgique, justement pour répondre à la demande du client. On a évidemment au niveau des ressources humaines, des ouvriers qui sont ici depuis une vingtaine d'années et qui peuvent maintenant former des nouveaux, puisqu'il n'existe pas vraiment de formation au niveau des écoles en Belgique. Pour répondre aux exigences toujours plus pointues de ses clients, Advance Coating doit sans cesse investir dans l'humain, bien entendu, mais aussi dans les machines. On essaye vraiment ici en interne d'être à la pointe de la technologie, avec un service recherche et développement qui est en permanence intégré ici dans l'entreprise et qui est là vraiment pour essayer qu'on soit vraiment, à la pointe de la technologie au niveau de la projection thermique. En 2009, la société a décidé d'investir l'équivalent de son chiffre d'affaires, soit 2,5 millions d'euros. Elle s'est dotée d'un deuxième hall de production, un cap important destiné à répondre justement au cahier des charges de l'aéronautique. Au total, les activités se déploient sur 5 000 m². Il faut savoir qu'on est en tout cas certifié au niveau de la certification NADCAP, qui est vraiment la grosse certification pour l'aéro, qui nous a permis de rentrer dans le groupe Safran par exemple. On travaille pour Airbus, Techspace Aéro évidemment, et pas mal de sociétés qui sont déjà ici implantées au niveau Belgique. Et vraiment là, le groupe Safran et le groupe Snecma sont vraiment le plus gros groupe, en tout cas européen actuel, dans lequel on est vraiment spécialisé et certifié pour travailler pour eux. Advance Coating, à certaines périodes de l'année, peut activer les trois pauses en juillet et août, mais aussi en décembre et janvier. La flexibilité est aussi une des qualités reconnues à cette PME qui se porte bien et qui compte bien ne pas s'arrêter en si bon chemin. Notre chiffre d'affaires pour l'année 2014 est de 5 millions d'euros. Donc il faut savoir qu'on a plus ou moins 75% qui part à l'export. Donc l'export, c'est déjà principalement la France. On est ici au bureau avec des ateliers qui font plus ou moins 2000 m² d'ateliers et on a plus ou moins 300 m² de bureaux. On emploie 28 personnes, donc il y a 14 ouvriers et 14 employés. Advance Coating est enfin, et c'est important de le souligner, une entreprise familiale. Une seconde génération aux commandes de celle-ci espère bien, d'ici 5 ans, faire exploser les activités attachées au secteur de l'aéronautique.